Namaste Mechei, re-bienvenue dans ma 7ème maison. Alors j'aimerais juste vous dire un petit truc parce qu'à chaque fois vous êtes des milliards à m'écrire ça en commentaire. Mais même si les vidéos sortent dans mon ancien décor et que vous avez un effet de déjà vu, c'est toujours des anciennes vidéos qui sont jamais sorties, c'est juste que bah ça prend du temps pour les copyrights et tout, pour que je puisse vous les montrer. Profitez, c'est une expérience, c'est comme si on faisait un voyage dans le temps, c'est incroyable. Donc voilà, et j'en profite. Mechei, sur ma chaîne de musique, je vous ai sorti un nouveau freestyle que je suis extrêmement fier de vous montrer. D'un groupe que j'aime beaucoup et qui est 514, donc allez voir ça, c'est dans la description. Je suis sûr ça vous fera grave plaisir et ça me fera surtout moi plaisir, ce qui est le principal. Voilà, c'est tout et des bisous Mechei. On est back encore une fois sur Ça se discute, qui est une émission que j'ai découvert et que j'aime beaucoup pour l'instant. Je trouve ça très très drôle. Donc on est reparti, cette fois-ci c'est sur une émission qui s'appelle être une femme autoritaire. Transition trop cool. Tu pouvais pas m'appeler au téléphone, mon chien. Attends, j'ai pas de temps à faire, j'étais en réunion. Bah oui, mais d'habitude tu rentres à midi, je te promets, tu te démerdes. Moi j'ai bouffé. Ah bah je boufferai. Bah bah tu te démerdes. Tu fous vraiment ta gueule là. Bah oui, t'as raison. Attends. Couple goals. C'est ce qu'on voit, genre, tu vois, les fameux posts sur Instagram et tout. C'est ça, ce qu'on rêverait tous d'avoir. Hey. Quand tu fais d'habitude. Hey, comment je fais d'habitude? Bah, je fais comme ça. Ouais, bah, je fais comme ça. Tu démerdes pour bouffer, j'en ai rien à foutre, moi. Eh bah, je me démerde et puis y'a pas de problème. Ça me casse les couilles, hein. J'en ai rien à foutre, je me ferai bouffer tout seul. Eh bah, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, vous pensez? Moi, je tiens pas. Une demi-journée, je pense, je tiens. Pour boire de l'eau, regardez. J'ai de l'eau pour vous, si vous voulez, même un litre complet, on peut partager. Et 10 minutes, un quart d'heure en retard, alors que ça soit midi, que ça soit le soir, elle rentre, ben, madame, il faudrait que je l'appelle toutes les 5 minutes. Attends, c'était pas difficile de donner un coup de téléphone, hein. Ouf, zéro transition. Ouais, faudrait que je l'appelle. Eh, tu peux pas. Muriel et Olivier sont ensemble depuis 15 ans et... 15 ans 15 ans, qui avait anticipé dans le chat? Tu peux aller me chercher une baguette, s'il te plaît? Oui, je vais y aller. C'est pas maintenant, oui j'y vais, c'est maintenant. À chaque fois elle vient, faut qu'elle trouve. Oh les pauvres. Chose à lui faire faire. Les enfants. Dès la naissance, ils ont moins d'audition. Imaginez quand elle a accouché, elle a dû crier fort. Vous appréciez des instants de liberté? Ça donne. Attends, il fait quoi là? Je comprends pas. Bah attends, elle lui a quand même demandé de chercher du pain. Et le frérot, il va se poser pendant 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Tous les week-ends, Olivier joue au football avec ses amis. Sa femme Muriel l'accompagne pour l'encourager. Allez. Les gars! À elle seule, elle est l'équivalent d'un stade complet de 10 000 personnes! À chaque match, chaque entraînement, je suis présente parce que bon, déjà, étant. Mais mettez-la sur le terrain, quelle gueule, elle fasse peur aux gens, je sais pas! En jalouse. Donc je surveille, voir s'il serait pas susceptible de regarder les femmes sur la touche. Il fait froid, hors de question qu'ils viennent à un match de foot tout seul. Kevin, allez, reculer! Quoi? Boule qui fait encore deuxième. Vous connaissez Muriel? Ouais, ouais. Mais je pense que tout le monde la connaît, c'est pas. Genre, tout le village l'entend dès qu'elle parle, genre, c'est pas possible. Allez, les gars! Souvent encouragé, pas fini, hein. Je sais pas si on peut plus s'encourager, mais. Cours plus vite! Allez, Loïc! Elle gueule! Allez! C'est vrai qu'on elle gueule, généralement. Non, je n'entends pas le frérot. Je suis désolé, mais j'entends pas le gars ce qu'il dit. Puis assez dur de caractère, donc c'est souvent. Ah bon, c'est Olivier qui. C'est le cas de le dire. Et de toute façon. Allez, je domine, c'est moi qui est dominatrice, et de toute façon. Ah bon, franchement, je suis choqué, hein, surpris. Oui, depuis le début qu'on se connaît, ça a toujours été comme ça. T'as 15 ans. Mais là, vas-y. Est-ce que vous comprenez quelque chose, au moins? Après le match, les joueurs se retrouvent à la buvette du club. Muriel, en fidèle supportrice, ne peut s'empêcher quelques réflexions. Comme quoi? D'habitude, attends, tu cours? Oui, tu cours pas. Attends, t'es vraiment un fainéant, t'avais vraiment un pied gauche aujourd'hui, là. C'est malheureux, c'est pas la maison. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, c'est malheureux, c'était pas la maison. Tu coachais comme ça. Je dis ce que je pense et je dis la vérité. Elle fait penser un peu à Loïs. Loïs! Oui, dans Malcolm! Loïs dans Malcolm, putain! Mais à chaque fois on fait des comparaisons légendaires, c'est Loïs dans Malcolm, non? On pensait que t'allais me remplacer au gardien, c'est ça le problème. Vous aviez tous le pied gauche! Quand Muriel a envie de partir et de rentrer chez elle, Olivier doit la suivre immédiatement et quitter ses partenaires de football. Tu crois que je t'ai pas vu, là, de mater les nanas, là? Il a fait de mal, non? Bah oui, bah attends, faut. C'est parce que je t'ai pas vu mater les nanas. En plus de ça, extrêmement jalouse. Je serais de toi, je lui aurais donné rendez-vous aussi, non? Oh, comme si je faisais quelque chose de mal. Tu n'as pas à regarder les filles comme ça, tu vas où, là? Est-ce que je t'empêche de regarder? Attends. On se fait rappeler à l'ordre comme ça devant tout le monde, c'est pas toujours le plus marrant. Mais... Ok. On s'habitue à le vivre. Tes copains du foot, je sais hein, comment ils m'appellent de toute façon. Ils t'appellent comment?
Attendez, wow, j'ai parlé en même temps, je suis trop con. Attendez, je replay juste pour être sûr de savoir. Moi, je l'appelle Loïs en passant, je sais pas pour vous, moi j'appelle Loïs. Tu vas le vivre. T'es copain du foot, je sais hein, comment qu'il m'appelle de toute façon. Le pitbull. Le pitbull? Non, moi je préfère mieux Loïs. Hein. Moi je te laisserai peut-être un peu plus de liberté que tu m'en laisses. Hein. Pourquoi tu trouves que t'en as pas assez toi? Bah attends, explique-moi. Mets-toi un petit peu à ma place. Hein. Je sais fort bien que j'étais marié. Hein. T'es d'accord? Il m'a fait cocu. Hein. Moi, Ah, tout s'explique, mesdames et messieurs. Backstory, encore une fois, comme dans les animés. C'est peut-être parce qu'elle a pas confiance en elle, tout ça. Et où mon parfum? T'as pas le droit de te mettre de parfum, sinon tu vas aller sentir bon auprès d'autres meufs. Est-ce qu'elle va vraiment dire ça? C'est le moment de mettre du parfum. Bah si, exceptionnellement ce soir, quoi, parce que... Ça vous pose un problème qu'Olivier se parfume? Oh! Ce soir, non, parce que bon, nous sortons, nous allons manger au restaurant. Donc là, j'accepte parce que bon, il est avec moi, mais il est hors de question qu'il se parfume pour aller sur son lieu de travail. T'as pas le droit de porter cette merveilleuse chemise grise parce que c'est pour draguer, t'as pas le droit. Au football, je dis ça, il est hors de question, quoi. Football. Il n'a pas à sentir bon par rapport aux autres femmes. C'est de la séduction, donc pour moi, qui dit séduction, dit peut-être bien relation. On comprend pas tout ce qui se passe. Pour vous. Presque. Elle donne son avis en fait. Ouais, what? Elle choisit également ce qu'il bouffe? Tu veux que je te fasse plaisir alors aujourd'hui? Quoi? Bah, je te laisse manger la frisée. Mais je vous jure, c'est pas possible. Non, vraiment, elle exagère pas du tout. Je pense qu'on va la rebaptiser Vini, on change de nom, on l'appelle King Jong-un. On va dire le charmant monsieur. D'accord. T'as osé dire quoi? Ah, t'es dans la merde. Oh mon dieu, il va avoir un meurtre. Attention. Ouais, détends-toi à la maison, va te péter la gueule. Hein, faut pas croire qu'il est soumis, hein. Ah bon? Loin de là, mais. Il y a des limites, quoi. Bon, c'est vrai que je te dis, des fois, c'est vrai que. J'exagère, quoi. Je m'en rends compte, c'est vrai que j'exagère. Ah, c'est cool. C'est cool. Tu m'aimes toujours. Ça dépend. Pourquoi ça? Et le frérot qui s'enfonce. Allez, je vais essayer de faire des. Je te promets que je vais essayer de faire des efforts. Ah, lourd! Respect à la madame ici. Mais je vais essayer. Elle va faire des efforts, respect. Et ça se finit comme ça. On sait pas du tout si la femme a fait des efforts derrière ou quoi que ce soit. Shit, c'était quelque chose d'assez spectaculaire tout ça. On a découvert une Loïs dans la vraie vie, je savais pas que c'était possible. Ah, oh, ça m'a tué, à la fin j'étais vraiment en mode, oh mon dieu, y'a quelqu'un qui va crever, c'est pas possible. En tout cas mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu sur YouTube, même vous sur Twitch, est-ce que ça vous a plu? Moi en tout cas je trouvais ça quand même très drôle. Tu flex toi, tu fais ma danse, pas TikTok. T'essaies de me preach, pas TikTok. Si tu vas pour ma clique, on step up. Je fais pas des feats, so fuck off. Si t'es pas des miens, je donne pas de love. J'ai un 30 round clip, le tech.